Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie, dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous, tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel.